Haïtien gagne 48 pays qu'il a rentré là-dedans sans visa pour l'année 2022. Et parfois, nous faisons une vidéo sur un pays, nous expliquons comment le mode de vie est, comment le salaire est, comment travailler dans le pays. Un peu de monde souvent est demandé comment je fais pour appliquer pour le pays. Par exemple, tout dernièrement, nous faisons une vidéo, nous parlons de Il Cook, un pays haïtien qui rentre là-dedans sans visa. Un peu de monde écrit, demandé comment je fais pour appliquer. Dans la vidéo, ça, on va expliquer qui ça veut dire les pays où il porte les points de la CAI sans visa et comment on calme. Donc là, on va expliquer tout. Dans 100% pays haïtien qui rentre sans visa, moi-même personnellement, je connais 70% d'entre eux. Qui ça veut dire que les pays vont rentrer sans visa? C'est un pays qui te porte les bien ouvri, je vais rentrer matin, midi, et soit. Il y a deux bagages où pas besoin de vivre en considération de rentrer dans un pays qui a accès sans visa. Premier bagage où pas besoin de raqueter le dossier pour régler le papier. Et deuxième bagage où pas besoin de faire une planification de voyage 3-4 mois avant. Parce que normalement, c'est un bagage qui a fait immédiatement qui est prêt. Il y a deux bagages où besoin de lever en considération de rentrer dans un pays qui a accès sans visa. Premier bagage, c'est identifier est-ce qu'il y a un passeport qui est valide dans le monde, qui a au moins 6 mois de validité. Et deuxième bagage, c'est identifier dans quelle ville vous descendez dans le pays. C'est tout d'abord pour faire une réservation d'hôtel en cas où vous n'avez pas de monde qui apprécie vous dans la ville. Ça. Quatrième bagage que je vais ajouter comme bonus qui est extrêmement important pour la vidéo, c'est identifier qui côté vous prend un vol de départ. Par exemple, on fait une vidéo tout dernièrement là, on parlait de Il Cook qui sont un territoire haïtien qui rentre là-dedans sans visa pour le travail, qui ont un salaire de 2 500 $ par exemple. En plus, haïtien a posé la question comment on fait pour aller à Il Cook. C'est identifier est-ce qu'il y a un passeport qui est valide et qui côté va prendre un vol de départ là pour acheter billet d'avion. Par exemple, si vous remarquez pas un trajet direct de Haïti à Il Cook, qui sont pour le faire, cherchez qu'on est, est-ce qu'il y a un vol de Saint-Domingue à Il Cook. Si toutefois tu as un vol de Saint-Domingue à Il Cook, eh bien en tant que citoyen haïtien, on a besoin d'un visa pour aller à Saint-Domingue. Je vais quitter le lien dans la description de la vidéo pour voir comment vous pouvez un visa à Saint-Domingue. Pourquoi? Lorsque vous avez un visa, vous pouvez acheter un billet d'avion de Saint-Domingue à Il Cook. Là, vous n'avez pas de nécessité pour un racket pour aller manger comme vous après vous regarder la vidéo. Parce que nous expliquons tout le bagage, c'est comme ça que moi-même je voyage. Parce que je voyage dans un paquet de pays, je fais touriste, je compte tout le pays, c'est seulement ça que je fais. Parce que je valide, un billet d'avion et puis gaz. Il n'y a pas de monde qui peut le bloquer, pas de monde qui peut le dire, pas qu'à aller là. Parce que normalement, le pays va rentrer là sans visa. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager avec vos amis et famille pour que tout le monde ait été bien informé. C'était HTBrain pour une autre vidéo. Ciao, ciao.